Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Et aujourd'hui plus particulièrement c'est un vlog journée de révision. En effet j'ai mon premier examen dans 3 jours, ça stresse un peu de dire ça d'ailleurs. J'ai mon premier examen dans 3 jours et du coup je suis en pleine période de révision. Et du coup je vais vous emmener avec moi à l'EPFL pour vous montrer un peu l'ambiance qu'il y a pendant les révisions. Et pour montrer un peu à quoi ça peut ressembler une journée de révision à l'EPFL, parce que c'est quand même une partie intégrante du cursus. On passe quand même 3 semaines ou 2 à réviser tous les semestres, ce qui est à peu près un cinquième en gros du semestre qu'on passe à bosser. Et donc c'est quand même important de parler un peu de ça, de vous montrer un peu tout ça, pour que vous puissiez avoir une meilleure vue d'ensemble de ce que c'est que la vie à l'EPFL, et puis ouais, que vous puissiez avoir un peu les informations sur comment est-ce que ça se passe une année entière, et pas seulement les moments où on a cours, quoi. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui au programme. Bah, vous allez voir de toute manière, là on va à l'EPFL en tout cas, je vais bosser à l'EPFL aujourd'hui. Et puis bon, on va faire pas mal de choses, on va donc à l'EPFL, je suis dans un, on va faire un truc un peu particulier aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais participer à un truc qui s'appelle l'heure à fond, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en gros c'est pendant 50 minutes on bosse, 10 minutes on fait une pause, 50 minutes on bosse, 10 minutes on fait une pause, et on fait ça avec plein de gens dans une salle, du coup voilà, je vais participer à ça aujourd'hui, du coup je vais vous emmener pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble tout simplement, et puis ouais je pense qu'en fin de journée on fera un peu d'autres choses, et je vais vous montrer un peu une journée complète pendant les journées de révision, donc là il est 9h20, je me suis réveillé il y a genre une demi-heure, 40 minutes. Voilà, je suis resté un peu dans mon lit, puis je viens de me lever, m'habiller, etc. J'ai le nouveau pull de la section d'ailleurs, il est tout beau. Vraiment, il est trop frais, vraiment, je l'aime trop. Et donc, ouais, voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire. Bon, en tout cas, on se retrouve tout à l'heure à l'EPFL. Et puis, ouais, vous montrer un peu comment ça se passe une journée entière de révision. Allez, à toutes. Hello, donc là, il est 9h50. Et en fait, j'avais totalement oublié, mais aujourd'hui, c'est un truc assez cool. C'est que j'ai deux visios de physique, où notre prof va juste répondre à nos questions. Donc là ce matin de 10h à midi je crois, il va répondre aux questions sur le cours qu'on lui a posé pendant la semaine de révision. Et de 14h à 16h il va répondre aux questions sur les exercices. Donc je trouve ça vraiment bien parce que bah, du coup ça va permettre d'aider à réviser un peu la physique, tout en étant un peu plus chill entre guillemets parce que j'aurai que bah, à écouter et à regarder. Et donc bah, au final on va faire ça du coup là à 10h. Je vais me poser, popcorn, et puis petit cours de physique. Donc non c'est plutôt cool. Et du coup, je pense qu'en fin d'après-midi, je calerai une ou deux heures de boulot en plus pour après aller faire autre chose et vous montrer un peu une vue globale de tout ce qui se passe pour la semaine de révision. Voilà, voilà, allez, c'est parti. Hello tout le monde, il est midi, du coup là on sort de la visio de physique. En vrai c'était grave lourd, genre en 2 heures il a répondu à plein de questions. Et il a fait plein de trucs dans le cours et bah en vrai ça a donné vraiment beaucoup de réponses à des questions qu'on se posait tous. Et donc ça a vraiment bien aidé pour l'examen, donc non c'était 2 heures bien investies. Je pense pas aller à la visio sur les exercices cet après-midi parce que j'ai l'impression d'avoir fait après le tour. Et je préfère bosser autre chose. Donc là après manger ça va être algèbre linéaire. Et puis du coup ouais, je vais toujours participer au truc heure à fond. Donc on bosse 50 minutes, on fait 10 minutes de pause etc. Donc je vous montrerai un peu comment ça se passe. Et puis on va bosser notamment de l'algèbre linéaire, moi c'est pas personnellement cet après-midi. Et puis un peu d'autres choses, mais en attendant là on va aller manger, puis reposer un petit peu avant de rattaquer une grosse après-midi. Allez c'est parti. Ouais, c'est comme les petits oignons que t'as dans les boîtes de candy. Ouais bah oui. Je sais pas si c'est magnifique. Donc là on va finir de manger et bah, je vais me diriger vers la salle où on va du coup bosser. En vrai du coup on va bosser pendant 50 minutes, puis faire 10 minutes de pause, ça fait 10 minutes. Et je vais commencer perso par 50 minutes d'algèbre linéaire, puis on va voir ça donne. Allez, à tout de suite. Le chalet de papa. C'est vraiment une grande. Je dormir, putain, sérieux. Que faire? Tu vas la garder pour la vidéo, celle-là? J'en sais rien, frère. Je sais pas. Je filme en fait, j'ai filmé des trucs le soir. Est-ce que je le mets? Je le mets pas. Ah bah, il est apparu, lui. Non, mais. Tu vas faire quoi, François, cet après-midi? Un petit sujet d'Aïssé de l'algèbre. Un sujet, carrément? Ouais. Motivé. Wow, motivé. Ouais, juste relire le cours d'algèbre, quoi. On va voir notamment la fin du cours qui sera en partie ouverte. Léopold, tu fais quoi cet après-midi? Je me la mécanique. Mécanique. Ah, c'est vrai, parce qu'il y a la visio de mécanique, du coup on peut lui poser des questions sur Nanda. Mais pour le moment ça va, il a répondu à toutes les questions qu'on avait sur les examens qu'on a fait. Du coup c'est failli. Et toi Arthur, algèbre? Oh, non, analyse. Je fais analyse, une fois que j'ai fini ça, je corrige, après je fais chimie. Ok, analyse et chimie. Bon bah. Mais on va essayer de rester jusqu'à 17h. Moi long, je pense que je vais rester jusqu'à 17h, je pense qu'ils vont rester plus tard. À 17h, je sais pas, je verrai ce que je ferai, mais c'est un truc un peu différent, on verra. Voilà, voilà, moi bon, je vous reprends tout à l'heure. Turn to the Mac, get on what it is when it
is what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, fresh shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. La belle bibliothèque de l'EPFL, INM. Ah, le nombre de personnes, c'est exceptionnel. Pendant tout le semestre, c'est genre personne, et là d'un coup. Oh, ouais, ça va, c'est pas horrible. Ouais, sa mère. Ouais. Ah, c'est reparti. Wow. Alors, je suis le service de mon pote en effet. C'est tout. La réponse. Il faut que tu mettes le sujet et d'accord. Ça m'intéresse cette discussion. Il a dit quoi, Bréché? Mais frère, c'est bon, tu m'achètes pneu ou quoi? Mais t'as vu, j'avais parlé avec mes gros sniffers en plein milieu. Bah, là, vas-y, tu vois. En gros, il a dit que il aimait pas du tout le système prépa en méca, parce que les examens ne peuvent pas. C'était genre, t'as un temps donné, tu dois faire le plus d'exos possible en ce temps-là. Et alors que lui, il préfère genre 3 exos sur lesquels tu dois réfléchir. Et bah, c'est plus de temps, mais il trouve ça plus instructif. Voilà. Ok. Ça va Arthur, apprécie d'aller. T'as vraiment, on dirait un giga nerd, t'as ton ordi de sortie frère. On a trouvé l'endroit où on allait bosser pour l'heure qui va suivre là. Quoi? Non ouais c'est pixel et tableaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 35 tableaux. Du coup là bah je viens de sortir de l'amphi. Il est 17h, du coup au final ça a été une bonne journée. Ce matin, bah, j'ai fait, comme vous l'avez vu, 2 heures de visio de physique. Et cet après-midi, en gros, j'ai fait 1 heure d'analyse avec un pote, 2 heures d'AG binaire après dans la salle où je bossais avec tout le monde. Et puis à la fin, on est dans un amphi un petit peu, et on a refait un peu d'analyse pendant 1 heure. Du coup, là, voilà, il doit être genre 17h30, un truc comme ça. Je vais aller m'acheter un peu à manger et pour ce soir. Et puis après, juste prendre le métro et aller au lac, me balader un petit peu. Vous montrer un peu le paysage et la vie à Lausanne pour ceux qui sont intéressés par ça. Et puis ouais, on va réfléchir, prendre le temps de réfléchir, de déstresser un petit peu, de faire redescendre la pression, parce que c'est important quand même. Parce que bah, mine de rien, les examens sont dans 2 jours, donc la pression elle commence à augmenter. Et donc bah ouais, c'est un peu le plan pour les 2 prochaines heures. Et après, en rentrant chez moi, je pense que je ferai un peu de sport, faire un peu autre chose ce soir pour me détendre un petit peu, avant d'entamer un peu le money time et les dernières journées de révision. Voilà, je viens d'arriver au lac. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, c'est juste magnifique en fait comme endroit. Et je suis vraiment très content d'avoir des endroits comme ça aussi splendides vraiment, parce que pour le coup, c'est vraiment. Enfin, vous voyez peut-être pas aussi bien que moi, mais vraiment, c'est super sympa. Et je suis vraiment content d'avoir un endroit comme ça à 20-25 minutes de l'EPFL et de là où j'étudie tous les jours. Et c'est un peu un regret que j'ai eu ce semestre de ne pas avoir assez profité de ces endroits comme ça, ne serait-ce que pour aller marcher un petit peu, penser un peu à autre chose, faire un peu autre chose que juste travailler, rentrer chez moi, dormir, travailler, rentrer chez moi, dormir. Donc voilà, j'aurais dû faire un peu plus ça et ça m'aurait peut-être aidé. Mais voilà, j'essaie de le faire plus le semestre prochain. En tout cas, je suis vraiment content de vous avoir pris avec moi pour cette journée de révision, qui était une de mes dernières, du coup, journée de révision. Et c'était vraiment important pour moi de vous montrer un peu cet aspect-là aussi de l'EPFL, parce que c'est vrai que j'essaie de vous montrer un peu l'EPFL sous le plus d'angles possible depuis le début de cette chaîne. Et pour moi, les semaines de révision font partie d'un des aspects qui n'est pas assez abordé, je trouve, et qui est assez différent de ce qu'on pourrait trouver d'autres fois dans d'autres cursus, notamment à cause du fait qu'on a nos examens en janvier. On a la chance de ne pas avoir les examens en août l'été, il me semble pas, mais en tout cas on a les examens en janvier, ce qui veut dire qu'on a pas forcément de vacances de Noël, etc. Et ça peut être quelque chose d'assez difficile, surtout en première année, parce qu'en première année en général on est quand même pas mal à ne pas avoir pris de vacances, moi y compris. C'est vrai que j'ai travaillé les 3 semaines et j'ai pas pris de vraies semaines de pause, de vraies semaines de vacances. Certains l'ont fait, et c'est possible je pense, mais ça n'a pas été mon cas. Et c'est pas le choix que j'ai choisi de faire. Et du coup voilà, c'est quand même des semaines qui sont assez rudes, assez difficiles, mentalement pour pas mal de gens.
mais aussi tout simplement au niveau de la quantité de travail qu'on peut fournir, parce qu'on n'a pas forcément, on en perd un peu tous les repères qu'on avait pendant le semestre. Certains changent totalement méthode de travail, d'autres essaient de continuer dans la continuité de ce qu'ils ont fait. Et moi j'ai la chance que ça ne soit pas trop mal passé, dans le sens où je suis assez confiant dans mes examens. J'ai l'impression d'avoir bien travaillé, j'ai pas lâché, j'ai pas décroché, et je suis très content de ça et fier de ça. Mais c'est vrai que j'ai conscience que ça peut être vraiment des semaines qui sont très difficiles pour beaucoup beaucoup de gens. Ça a été mon cas quand même, hein. J'ai trouvé ça mentalement assez épuisant, et j'ai hâte que tout ça soit fini, de pouvoir passer au prochain semestre. Mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est vraiment difficile, et que ça rend presque malade dans ces semaines de révision là, et je peux le comprendre, que ce soit au niveau du stress, de la pression, de tout ce genre de choses. Et voilà, sachez que vous n'êtes pas seul, que c'est le cas de plein de gens, et qu'il ne faut pas lâcher, c'est maintenant qu'il faut tout donner, puis dans deux semaines, quoi qu'il arrive, ça ira un peu mieux. Donc voilà, sinon, bah, au niveau de comment est-ce que je me sens à J-2 de mon premier examen. Donc pour rappel, j'ai 4 examens, analyse, algèbre linéaire, physique et AICC, et je suis assez confiant pour les 4, dans le sens où si jamais les 4 examens étaient demain, je pense que je pourrais m'en sortir. Je dis pas que j'aurais une super note ou quoi, mais je pense que je peux m'en sortir, et du coup bah, c'est ce qui me rend un peu plus confiant. Et donc là le but, ma stratégie, donc je change un peu de stratégie. Jusqu'à présent j'essaie de bosser un peu toutes les matières tous les jours pour favoriser l'apprentissage sur un moyen terme entre guillemets, dans le sens où on avait 3 semaines quand même. Je voulais essayer de bosser un peu tout tous les jours, mais là je vais passer un peu en mode charbon sur les matières les unes après les autres. Donc je vais commencer à partir de demain et dimanche à bosser que de l'analyse pour me préparer à fond à l'examen de lundi. Et après du coup mardi, mercredi, jeudi, je vais me préparer à fond en physique pour l'examen de physique de vendredi. Et après je vais enchaîner pareil pour le week-end prochain, ce sera de l'algèbre linéaire pour préparer l'examen d'algèbre linéaire qui sera lundi de la semaine d'après. Et puis bah, j'aurai le reste de la semaine pour préparer l'ICC qui sera le vendredi. Et du coup je serai en vacances un vendredi soir. Un vendredi midi plutôt, ce qui sera plutôt sympa. Au niveau des horaires de mes examens, c'est de 10h à 13h. Je trouve que c'est pas mal comme horaire, c'est limite je pense le mieux. Ça coupe pas trop non plus la journée en deux, dans le sens où c'est pas genre en plein milieu de l'après-midi. Et ouais, ça reste, c'est pas trop le matin non plus. Quoique j'ai un examen qui est à 8h quand même. À ICC, j'ai ça de 8h à 11h. Mais bon, vu que c'est le dernier, c'est pas trop mal, je gagne 2h de vacances, du coup pourquoi pas. Mais ouais, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de vacances, ça m'a moralement, enfin, je sens que je commence un peu à fatiguer, et c'est normal, entre, j'ai envie de dire, mais ça va me faire du bien là de prendre bah, du coup les trois semaines après les examens pour faire autre chose, penser à autre chose, pour faire un petit reset un peu avant d'entamer le deuxième semestre. En tout cas, je suis vraiment fier de moi, de ce que j'ai fait pendant ce semestre. Quoi qu'il arrive, peu importe les résultats des examens, je serai fier de ce que j'ai fait, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir lâché, d'avoir grandi en tant qu'être humain aussi, dans le sens où bah, forcément j'ai progressé en sciences parce que c'est le but un peu de l'EPFL, mais j'ai aussi progressé en tant qu'être humain. J'ai appris beaucoup beaucoup de choses sur moi-même, sur ma manière de fonctionner, sur ma manière de travailler, via cette chaîne YouTube aussi, grâce à vous. Donc ça, j'en suis très fier et très reconnaissant, et donc forcément quoi qu'il arrive, ce semestre-là ce sera que du positif, que je réussisse mes examens ou non. Et voilà, l'important c'est au final d'avoir son diplôme, que ce soit en 5 ans ou en 6 ans. Le principal c'est d'y arriver, et je compte tout donner pour y arriver. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Et en vrai de vrai, il y a peut-être même moyen que je refasse des vidéos genre la veille des examens ou le lendemain des examens, pour vous parler un peu plus de comment ça s'est passé, des débriefs, etc. Dites-moi si ça peut vous intéresser dans les commentaires. Mais voilà, peut-être que je fais des vidéos examen par examen, après les examens notamment, pour vous donner un peu mon feeling et mon ressenti. En tout cas, d'ici ces potentielles vidéos-là, n'hésitez pas à, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, des suggestions, à les mettre du coup tout ça dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, gardez espoir, ne baissez pas les bras, je suis avec vous en tout cas, bye bye.